Record d'impopularité, colère de la rue. Si la réforme des retraites a finalement été adoptée, après de longs débats électriques à l'Assemblée, elle a clairement laissé des traces. Notamment au sein du gouvernement d'Elisabeth Borne, où beaucoup risquent de faire les frais d'un inévitable remaniement. Mais quand ? Si la réponse se fait toujours attendre, ces confidences d'Emmanuel Macron, révélées par le Canard enchaîné, devraient rassurer l'exécutif. Car le président semble tout sauf pressé. Ce n'est pas le moment de faire la révolution, aurait en effet glissé Emmanuel Macron à quelques proches. Sans toutefois cacher son agacement face aux boulettes de ses ministres. Quand on commence à réfléchir, on a envie de tout changer, a reconnu le mari de Brigitte Macron devant plusieurs intimes. Supérieur à supérieur à supérieur à découvrir notre diaporama sur les ministres d'Elisabeth Borne à leurs débuts. Elisabeth Borne conservée par Emmanuel Macron, et Elisabeth Borne dans tout ça, toujours dans une phase de réflexion concernant ses troupes, Emmanuel Macron pourrait conserver sa première ministre malgré les critiques. Nombreux sont ceux qui, dans la majorité, la voient demeurer à Matignon au-delà de l'échéance du 14 juillet, écrit le Canard enchaîné. Le duo exécutif aurait même évoqué ensemble les contours d'un futur remaniement. En revanche, pour des ministres issus de la société civile comme Pape Ndiaye ou François Braun, la tendance serait plutôt à un départ. Crédit photo, Jeanne Accorsini Poulbest Images.